Albi, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone sur le petit bras de fer de la semaine, le Rodor Noir. Donc c'est un bras de fer assez spécial que je vais vous faire montrer tout de suite. Enfin, je vais expliquer un peu au début et après je vais vous laisser avec le gameplay et une petite musique de fond, hein, tranquillou pilou. Et je vais vous retrouver à la fin de la vidéo. Donc juste pour expliquer au début, donc voilà, on est contre le Rodor Noir. Le bras de fer est spécial pour l'anniversaire de Diablo, donc je vais pas dire de conneries sur l'anniversaire, hein. Il me semble que c'est les non, je vais rien dire du tout parce que je sens que je vais me gourer. Donc c'est pour un anniversaire de Diablo et donc je vous laisse aller voir ça sur internet si vous pouvez, et au pire je l'écrirai peut-être dans les comment dire, dans la description de la vidéo. Et donc c'est contre le Rodor Noir qui a 3 secrets sur lui, et le but est de faire proc. Bah on peut le tuer normalement comme ça, hein, sans faire proc ses secrets. Il n'y a pas de problème, mais ils ont rajouté un petit easter egg dans le jeu, donc c'est-à-dire une petite surprise. Et donc la surprise, on la trouve quand on arrive à faire proc les 3 secrets. Et donc les secrets, je vais vous les mettre en image, et vous pourrez voir tout ce qu'il y a. Et donc les 3 secrets, en tout il y en a 10, mais il y en a 3 par partie, et c'est tout le temps 3 différents. Et donc il y a plein de secrets, je vais pas vous les expliquer, je vais pas tous vous les expliquer, hein. Ça serait trop long, je vous laisse les lire. Tout simplement, c'est pour ça que je les ai mis sur la vidéo. Et donc le but est de faire proc ces 3 secrets là. Et donc le deuxième boss, donc c'est une deuxième créature qui arrive en jeu, et un deuxième personnage en gros, qui prend la place du Rodor Noir et qui invoque des vaches. Donc voilà, ça doit être une petite histoire dans Diablo. Donc pour vous dire franchement, j'ai jamais joué à Diablo. Et donc ça doit être dans le jeu. Et donc voilà, c'est des vaches. Puis je vous laisse voir les effets. Donc j'ai réussi, hein, bien sûr, heureusement. Sinon ça servait un peu à rien de faire la vidéo. Donc voilà, là j'ai déjà fait proc un secret. Et donc voilà, je vous laisse découvrir toute la vidéo entière avec les cartes. Donc je les montre tous les cartes. Voilà, à chaque fois qu'il y a une carte nouvelle qui est passée, je vous les montre et je vous laisse le temps de les lire. Et je vous mettrai quelques petites images à gauche et à droite pour vous aider un petit peu. Je vous laisse, bon visionnage! I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be it might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, electronic setups, singing or speaking using machines.
four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my callin'.